Tout au long de votre aventure, de nouveaux endroits, de nouveaux moyens de se déplacer et des tas de surprises vous attendent. Soyez prêts! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais grave bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quoi? Sur Fortnite, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et puis à mettre un maximum de petits pouces bleus sous cette vidéo et puis me mettre dans les commentaires votre petit pseudo Epic Game. Encore une fois, j'essaierai de demander entre 10 et 15 personnes, tout dépendra des messages, des commentaires qu'il y aura. S'il y a beaucoup de commentaires avec votre pseudo Epic Game, bon bah là ce sera un petit peu compliqué, mais s'il n'y en a pas beaucoup, bah franchement c'est parti, je vous demanderai tous en ami. Alors c'est parti, je vous explique un petit peu le concept d'aujourd'hui. Franchement c'est la première vidéo sur Fortnite chapitre 2 saison 3, ça va être cool. En gros je vous explique un petit peu le concept. En gros dans cette vidéo je vais tenter de faire top 1, oui je vais tenter déjà de faire top 1 avec le truc en plus évidemment, sinon ce serait pas drôle, avec un requin, oui avec un re s'il vous plaît. Donc on est accompagné de mon petit skin Domino. Franchement on est cool, on est bien, c'est parti. Et on se met en solo, on joue. Franchement j'espère que ça va le faire. Croisons les doigts, croisons les pieds s'il vous plaît. Croisez les doigts vous aussi, croisez les doigts de pied avec moi. Oh. La dernière fois j'avais vu qu'il y avait Brutus sur cette affiche. Et là l'affiche a changé. J'aime bien cette affiche, elle est un petit peu genre océanique et tout, avec Océane bien sûr. Donc franchement je suis contente. Je sais pas si vous avez vu le teaser, mais en gros vous avez vu comment est décédé Brutus. Non franchement ils ont pas respecté la mort de Brutus. En gros il y a Julie qui lui met un coup de poing et Brutus décède. Attendez je vous montre, sinon c'est pas rigolo. Non ils ont pas respecté, il y a aussi quelqu'un d'autre qui est mort si j'ai pas de bêtises. Attendez je vais vous montrer. Ils ont respecté personne dans ce teaser et ça va pas du tout. Mais c'est vraiment cool parce qu'aujourd'hui on va tenter vraiment le top 1 grâce à un requin. Et j'ai appris qu'il y allait avoir aussi des voitures, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi des voitures. Et on va tenter, pourquoi pas un jour, de faire une partie 2, tenter de faire top 1 grâce aux voitures. Donc je vous explique aussi un petit peu pour les personnes pas au courant. En gros les voitures pour le moment ne sont pas encore présentes. Il faut attendre que les voitures soient là, il faut attendre que l'eau diminue. Donc faut vraiment attendre que l'eau diminue. Tant que l'eau n'a pas encore diminué, il n'y aura pas de voiture. Donc en sachant qu'il y a 7 phases, ou alors en tout cas durant 7-8 semaines, va falloir qu'on attende. Donc je suppose qu'il y a 7 phases. Donc va falloir attendre, va falloir simplement patienter. En tout cas je vous préviendrai dès qu'il y aura les voitures de disponibles. Activez vraiment bien la cloche des notifications, c'est bien pour ça qu'il faut l'activer. Et franchement là il faut qu'on arrive, il faut qu'on fasse le top 1. Il faut vraiment qu'on fasse le top 1, on y croit. Alors déjà, oh c'est bien, déjà là on est bien parce que ça nous ramène déjà à un endroit où il y a pas mal d'eau. Où est-ce qu'on peut bien aller? Au pire, on va ici. Hein. Au pire, où est-ce qu'on peut aller? On va tout au fond. Ouais. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut spawn, il faut aller là où il y a pas mal d'eau. Voilà, il faut pas aller dans des endroits comme Frenzy Farm ou alors Lazy Lake. Il faut vraiment aller là où il y a de l'eau et pas des petites ruelles, sinon vous allez pas trouver des requins là-bas. Il faut vraiment aller à des endroits où il y a beaucoup d'eau. En l'occurrence, nous, on va aller juste ici. C'est là où il y a pas mal d'eau, hein, franchement. Et puis on va tenter de trouver un requin. Par contre, je vous jure, les requins, par contre, ils ne sont pas sympatoches. Je t'approche trop d'eux, et ils te bouffent le crâne, ils te bouffent la tête. Et oui, ils te bouffent. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce qu'on va faire, c'est d'abord, bien sûr, on va récupérer des coffres. J'ai pas le droit de build durant cette partie. J'ai pas le droit, c'est interdit. Donc c'est les règles du jeu. J'ai le droit que de prendre des coffres et de me dépêcher de prendre un re-re, parce que sinon il va y avoir la zone. Et puis je vais mourir. Et non, on a dit on fait top 1. Donc c'est parti, allez hop, on récupère. On récupère tout ce stuff. On récupère de toute façon tout ce qu'on trouve. Est-ce qu'on a le choix? Non, on n'a pas le choix. J'ai pas le droit de build. Non mais par contre si je commence comme ça là, ça va pas le faire. Si je commence comme ça, ça va pas le faire du tout. Attendez, on prend le petit kit de soins. Ok, je récupère aussi d'autres coffres. J'ai vu qu'il y avait d'autres coffres juste ici. Si je devais noter la saison 3 là sur 20, je lui donnerais la note. Franchement, je sais pas. Je vais lui donner la note. Ah, c'est compliqué hein. Allez, je donnerai la note de 17 sur 20, parce que franchement, je suis gentille, la note de 17 sur 20, parce qu'en gros, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient cool, comme là, le fait d'avoir des véhicules, etc. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le seum qu'il va y avoir des véhicules. Moi, franchement, je suis contente. Par contre, ce que j'aime moins, c'est les shoots du bot. Est-ce que vous voyez les shoots? Les bots, ils sont archi chauds, hein. Les bots, ils rigolent tellement pas, ils sont archi là. Je sais pas si vous avez vu, mais les bots, ils sont chauds. Et aussi, ce que j'aime beaucoup moins, c'est la map, elle est
est vraiment rempli full haut. Et ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, tout le reste, j'aime bien. Tout le reste, je kiffe. Dites-moi, vous, dans les commentaires, une note sur 20. Allez hop, une note sur 20. Une petite note sur 20 par rapport à cette saison. Franchement, moi, j'aime bien. Il y a aussi ça qui est cool, c'est que moi aussi, j'étais pas au courant. Faut que je vous le rappelle, j'ai commencé quand même il y a peu de temps. J'ai commencé il y a très peu de temps la saison. Enfin, le Fortnite, ça fait quand même la 3-4 semaines que j'ai commencé. Donc, c'est bien peut-être pour ça que, voilà, mon level est pas ouf. Mais c'est pour ça que je suis plutôt contente de ce qu'il y a. Et de toute façon, ça me satisfait. Ça me satisfait amplement. Alors maintenant, il va falloir trouver des requins. Je vais mettre au milieu et je vous explique comment trouver un requin. Allez hop. Bon, il faut que je trouve un requin, mais j'en trouve pas, bizarrement. À chaque fois, dès que je veux en chercher, dès que je veux. En fait, c'est ça le truc. C'est que dès que j'en veux, il y a pas. Et dès que j'en veux pas, il y en a. Ah, c'est trop ça. C'est vraiment, vraiment tout ce qui se passe. Bon, tant pis, on va prendre le petit truc là. On va prendre le petit flotty flotta. Oh, c'est bon, on a trouvé un requin. Mon dieu, hey, franchement, je me suis dit non. Me dis pas que non, il n'y a pas de requin. Parfait, c'est bon, c'est parti. Ici, il y a un requin. Donc, en gros, vous prenez la canne à pêche et vous tentez de mettre le petit canne à pêche ici. Et vous attendez. Normalement, il est censé venir, il est censé mordre à l'hameçon et il est censé prendre. Oh my god, j'ai eu trop peur. Franchement, elle est dans du requin. Vraiment, c'est ouf. On va aller là-bas. On va tenter de rentrer à côté de l'autorité. Ça va être chaud, l'astigo. Mais on va tenter de le faire. On va vraiment tenter de faire le top 1. Top 1, hein. On a dit top 1. Ou alors se rapprocher en tout cas un maximum du top 1, ça sera vraiment super. Et en gros, les requins, vraiment, moi je trouve que c'est, genre, je sais pas, c'est bien, ça rajoute un petit peu d'entrain au jeu. En gros, ça rajoute un petit peu du jeu, je sais pas, moi j'aime bien. En plus, tu viens, tu prends ton petit re-re, t'es là tranquillement. Par contre, je sais que les requins, si tu prends ton requin, je sais que vous prenez, par exemple, si vous faites mordre par un requin, vous prenez vraiment pas mal de coups de dégâts. Ça dépend, il y a des fois vous prenez genre 10 coups de dégâts, d'autres fois vous prenez genre beaucoup moins. Là par contre, on est arrivé à l'agence. Par contre, l'agence, s'il vous plaît. L'agence version saison, nouvelle saison, nouveau chapitre. Vraiment, vraiment bien gardé. Ça, c'est chaud. Vraiment, l'agence, elle est vraiment chaude. Si vous voulez une vidéo sur l'agence, en tout cas sur la nouvelle agence qui maintenant s'appelle l'autorité, dites-le moi dans les commentaires. Ça pourrait être franchement cool. Why not, why not. J'ai pas le droit de construire. J'ai pas le droit. En fait, j'ai le droit de rien faire. Et je suis au courant que, genre, je peux tirer avec. Enfin, sur mon requin, je peux tirer. Vous imaginez le top 1 grâce au requin? T'imagines le petit top 1 grâce au rureux. Tom, tom, tom. On requin pas nous. Bon, en fait, on fait notre petite balade hein, pendant que tout le monde est en train de se fight. Je pensais ça. On va essayer de trouver des personnes, mais c'est compliqué de trouver des personnes dans l'eau. Ah, si, si. Oh, j'ai parlé trop vite. Vous entendez ou pas ça? Vous entendez ou pas ça? Pourquoi j'arrive pas à tirer? Normalement, je peux tirer. Normalement, je peux tirer, je peux pas tirer là. Ouh là là là, c'est en train de me tirer dessus, j'ai pas le droit de sortir de mon requin. Comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Oh, il y a. C'est quoi tout ce monde là? Ah, c'est des bots, je suppose. Je suppose que ce sont des bots. Alors, bon bah franchement, il reste 29 personnes. Franchement, le top 1, on peut le faire. Honnêtement, le top 1, on peut le faire. Et je sais que, à ce qui paraît, grâce au requin, c'est-à-dire que si je vois quelqu'un dans l'eau, le requin peut le manger. Il y a quelqu'un dans l'eau ici, vous avez vu ou pas? Oh, dans la tête. Franchement, on va le tuer. Attendez, on va faire en sorte que le requin le bouffe. S'il te plaît, Roco. Bonjour. Mais non, on a dit on fait top 1, on a dit on fait top 1 grâce au re-re, et le re-re, je voulais qu'il bouffe la meuf, je voulais qu'il bouffe le skin, mais non, vas-y c'est bon, j'ai le seum. Écoutez, franchement, le top 1, on allait le faire, bah n'hésitez pas vous aussi à réaliser ce challenge, c'était vraiment cool, j'attends vraiment, j'ai vraiment vraiment hâte qu'il y ait les petites voitures qui arrivent, ça pourrait être vraiment cool, vous imaginez, peut-être faire top 1 grâce aux voitures, après il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, et qui n'aiment pas du tout les voitures qu'il y a sur Fortnite, et que ça rappelle GTA pour certains. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce challenge et des voitures qui vont bientôt apparaître. Je vous mets un petit peu le moment du teaser. Tout au long de votre aventure, de nouveaux endroits, de nouveaux moyens de se déplacer et des tas de surprises vous attendent. Soyez prêts! Franchement, pour ma part, j'ai vraiment trop hâte des voitures qui vont arriver dans
7 semaines, 8 semaines, je sais pas trop, je suis pas sûre franchement, mais d'après tout ce qu'ils disent, d'après tous les leaks, c'est dans 7 semaines ça va arriver, et encore, ça risque d'arriver en tout cas beaucoup moins de temps, donc j'ai vraiment trop hâte. Dites-moi vous si vous avez hâte, mais après je sais qu'il y en a vraiment, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y en a vraiment beaucoup qui sont un petit peu deg, puisque sinon ça va ressembler à un autre jeu et que ça va plus ressembler à Fortnite de base, mais franchement moi je me dis que dans tous les cas, ce sera bien de tester les voitures sur Fortnite, et puis ouais, après si ça commence à devenir saoulant, si tout le monde en a marre, si tout le monde aime pas, et si ça commence à devenir du n'importe quoi, bah oui, pourquoi pas dans une autre saison les enlever, mais franchement moi je pense que ça va être good. Voilà voilà, donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas voilà, donc je vous fais des gros bisous, et puis on se dit à très vite pour un prochain live, ou alors pour une prochaine vidéo. Bisous.